maladie si là et si liste là lui-même il continue à allonger et puis il y a question référendum, il y a question convocation et nous avons essayé faire contact là avec maître Jean Danton Léger et avec qui nous t'a supposé fonti discuter sous convocation que lui-même lui t'a supposé répondre à Cli vendredi qui a venu là non parquet. Du moins, c'est un homme pas jeune, et sont capables de jeûner, ou même on met essayé. Et dans Tigouave, bon, gagné en pile annonce qui fait, bon, côté secteur démocratique et populaire, qui ont même campé derrière mettre dans Jean Danton Léger pour soutenir lui. Mais tout, gagné des gens qui ont même campé derrière le commissaire du gouvernement, Jean-Emmanuel. Et lui-même qui c'est commissaire du gouvernement dans Tigouave. En tout cas, nous parlons rapidement avec éditorial d'abord, avant nous continuer avec l'actualité qui titre « Où est passé Monsieur Barbecue ?» Il est en convalescence, mais il continue de recevoir des soins intensifs pour reprendre rapidement du service. Mais entre-temps, il perd des alliés. Grand Ravine et Village des Dieux se retirent du lot. D'autres gangs armés se regroupent contre Genève en famille et alliés. L'avenir de cette coalition de gangs armés est incertain. La paix est-elle menacée? Oui, dit-on, la paix est profondément menacée si Genève en famille et alliés s'effondre. Nul n'osera oublier qu'en 2020, la chef du bureau, la chef du bureau intégré des Nations Unies pour Haïti, BINU, Madame Hélène Lalime, aurait indiqué que la Fédération des gangs armés avait contribué à faire baisser la criminalité au niveau de la région métropolitaine. C'était un bel accomplissement dans la carrière de l'ancien policier Jimmy Cherizier. Jamais le BINU n'avait salué une quelconque initiative de la police nationale d'Haïti pour lutter contre la criminalité. Mais des louanges, même subtiles, avaient été adressées aux soldats de Genève en famille et alliés. Leur mérite a été reconnu internationalement. Où est passé Barbecue ? A-t-il au moins reçu un appel de Madame Lalime pour lui souhaiter un prompt rétablissement? Madame Lalime ne doit pas se montrer ingrate envers celui qu'elle considérait comme un soldat de la paix victime dans l'exercice de ses fonctions. Genève en famille et alliés est aujourd'hui édentée. Deux importants alliés se désolidarisent de la fédération. Mayen Youn, Mayen Tout. Mais tout se taise. Jimmy Cherizier a été touché d'une balle. Pourtant, Madame Lalime ne se sent pas touchée. Possiblement, M. Barbecue ressent des regrets et des remords. Il est sûrement déçu. Robinson d'Haïti. Robinson d'Haïti, c'est notre éditorialiste et nous parle rapidement et fait contact avec Robinson d'Haïti pour être capable de commenter et éditorial ça matin qui titré « Où est passé Monsieur Barbecue ?» Et Robinson d'Haïti, c'est éditorialiste émission Matin Débat et n'a pas rappelé éditorial Martin Debayo, c'est la pensée même de l'émission. Nous déjà gagné avec nous éditorialiste nous Robinson d'Haïti à qui nous disons bonjour. Bonjour Martin Debat, bonjour Maître Lexidor, bonjour au député Pierre Martin, à toutes, bonjour à toute équipe technique là, particulièrement Babas et Henri. Et bonjour à toute auditrice, à tout auditeur qui attendait nous sur Radio Téléclair et sur toute plateforme que généralement le député Pierre Martin Tatout fait toujours le plaisir pour le citer et me saluer le gros désir que nous avons là et qui possiblement a privé. Et nous saluons tout le monde, voilà, nous ensemble pour nous poser des questions
pour nous commander 1825, qui m'a dit qui bon et monsieur barbecue passé. Mm-hmm. Où est passé monsieur barbecue? Et question ça Robinson d'Haïti, c'est pas pour qui ça question ça d'abord? Et est-ce que c'est pas essayer de lever Châtelain et Cap Domi? Bon, normalement Châtelain supposé lever. Par exemple, il y a des de monde qui n'en vit pas nous et d'ailleurs nous t'a parlé de cette culture de leader que nous gagnons. Mm-hmm. Et c'est de monde nous fait de nous-mêmes des héros, ok? Nous considérer au magasin des séries de monde et Cap dit par exemple et barbecue en service, etc., etc. Donc monsieur barbecue nous songeait c'est pratiquement lui-même qui était impliqué dans faire au Kembe, hein? Mm-hmm. Dans faire au Kembe et assassin et Evelyne Saint-Cerio, hein? Pendant que le témoin a vu une recherche. Côté la police à Chachel, qui pote le non-commissariat, et il était rendu service à la République, mais la République pas qu'à rendre tête lui service pour dire arrêter barbecue tout, et pendant que barbecue était en avis de recherche. Donc je veux dire, et M. Barbecue, il est en phase transitoire, c'est-à-dire il est en convalescence, c'est-à-dire entre la fin de la maladie et le rétablissement, le retour à la santé complètement. Et m'apprendre, évidemment, que lui continuer à recevoir des soins intensifs pour lui prendre du service parce qu'il faut qu'il travaille, c'est travail, ok? Il faut qu'il recommence le travail. Mais entre-temps, il y a des bagages qui sont arrivés dans G9 en famille alliée. Par exemple, alliés, on a commencé à perdre alliés. Il a perdu deux gros alliés, par exemple, il a perdu Grand Ravine et puis il a perdu Village de Dieu. Tous les deux retirés du lot. Et ça arrivait, les retirés du lot, il y a le fait, en fait, il y a le regroupé avec d'autres gangs armés, tant que Katsamaozo, tant que Brooklyn, etc. Donc, bon, l'autre coalition qui a formé, et il se trouve que l'avenir et coalition de gangs armés, ça, a vingt incertain. Mm-hmm. Parce que je n'ai jamais dit, et il m'a demandé, qui ça, G9 en famille est allié. Si G9 en famille alliée, c'était saleté hein, pour le monde qui était pensé que ça que le dire, eh bien, lui, normal, et c'est le questionnement de l'éditorial aujourd'hui, la paix est-elle menacée? Est-ce que la paix menacée, je n'ai jamais dit, l'ennoué, Gangza, qui est le G9 en famille alliée, affaibli autant, est-ce que la paix est menacé. Mm-hmm. Alors là, son information, oui, ou bah là, Robinson, quand vous parlez de et de formation probable de d'autres coalitions de gangs à partir de sortie quelques membres dans Genève là, c'est on parlait de 400 Maozo et d'autres gangs. Il y a Brooklyn, il y a Village de Dieu, il y a Grand Ravine, ils ont commencé à regrouper, mais il ne faut pas oublier tout Grand Ravine avec Village de Dieu, ils ont dit dans Genève, mais ils ont sorti, je ne veux dire, ils ont désolidarisé de fédération, donc ils ont en forme de ça, ils ont regroupé contre Genève. Son gros déclaration fait là, oui, Robinson. Là, c'est comme tu m'as dit là, il parle de deux et officiellement deux grandes du moins et coalitions de gangs armés là qui et probablement pral à affronter eux. Parce que écoutez, l'on parlait de G9, nous connaissons la condition de former un. Et puis, bien avant formation et groupe ça, il y a eu qu'on a goumé entre eux. Nous changeons les fameuses déclarations, côté que tu as défi que tu as lancé barbecue par Village de Dieu, etc., etc. Bien avant, coalition ça a été faite. Non, mais il y a plusieurs coalitions, c'est à longueur de journée, parce que son pays gang à prendre naissance de temps en temps. Mm-hmm. Et gang n'a pas qu'à être seul, gang généralement, il a retrouvé l'autre gang, puis renforcé. Il y a des coalitions, c'est-à-dire ça, on dit là, Village de Dieu, bien Grand Ravine, qui sorti de G9 pour aller renforcer d'autres gangs armés. Et l'équipe n'a pas déclaré. G9 en famille alliée était déclaré, ok? Il était même qu'un slogan lié, etc. Donc c'était déclaré. Mais ce n'est pas fait à travers tout le pays. T'es même gagé PEP tout, t'es gagé PEP tout avec Gabriel. Oui, certainement. C'est-à-dire que plein coalition, mais il y a des séries de coalitions qui déclarent. Alors ça pour nous retenir là, dans l'affaire G9 là, en famille alliée, c'est que je ne veux dire, G9 en famille alliée, et après ça qui est arrivé, M. Barbecue, G9 en famille alliée, commencé.
perdu des alliés, je veux dire. Et alliés, ça l'a perdu, il a regroupé avec d'autres groupes de gangs contre G9, famille et alliés. Ok. En tout cas, là, on mentionne tout, et pas plus tard que hier, et bataille qui relouvre là, même si on l'a fait déjà dans Cité Soleil, Antibois à Gravine. Oui, bien sûr. Bataille continue, bataille recommencée, et bataille sec qui fait là, je veux dire, avec ce qui se dessine aujourd'hui, avec l'organisation des gangs armés, et sous les yeux de la police et des forces armées d'Haïti qui ont existé toujours. Voilà. En tout cas, est-ce que là, nous avons parlé tout, vous mentionnez Lila, chef. Et Binuyan qui lui-même t'a parlé de yon baisse de criminalité yo en Haïti avec la formation ou du moins la coalition de gang ça qui était relé G9 là. Bon justement ça arrive avec G9 en famille alliée, c'est ton bail qui te supprime tout le monde parce que personne ne connaît que de façon officielle il y a un ensemble de gangs qui doit arrêter yo bail tête yo yo non yo, en fait yo fédéré tête yo relé tête yo G9 en famille alliée. Et puis on dit, on dit, bon, on a fait la paix. G9 en famille alliée affaiblie. Jamdoula l'a perdu des alliés. Et le questionnement de l'éditorial, je répète, est-ce que la paix est menacée avec l'affaiblissement de G9 en famille alliée? Parce que nous songez, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui dit, ce n'est pas nous-mêmes qui associons la paix à la création de cette fédération de gangs armés. C'est pas nous-mêmes. C'était une grande personnalité, évidemment. Grande personnalité par rapport à sa position, même. Par contre, c'est vraiment grand, parce que c'est pas un monde que je rencontrais. On taille vraiment, s'il fait 1 mètre, 1 mètre 50, etc. Je ne pas vraiment connaît. Mais par rapport à sa position, cette personnalité est assez grande. OK? Je viens de demander si la paix est menacée, je viens de dire. Parce que si nous gardons bien, G9 en famille et alliés a effondré là, rappelez-nous qu'en octobre 2020, en octobre 2020, chef bureau intégré des Nations Unies pour Haïti, Bini, Mme Hélène Laline, lui a semblé indiquer que Fédération Gang Armée Sao privée contribuer à faire baisser la criminalité au niveau de la région métropolitaine. Ça sont gros déclarations que j'ai fait, même si après elle te défendait tête lit. Mais tout le monde t'attendait pour qu'il fasse seule déclaration ça, peut-être que Mounio t'est mal interprété. Alors le gros paradoxe de tout ça et Robinson nous mentionnez dans le texte là, et pas même un mot pour police nationale d'Haïti hein, que pas même un mot, mais forme de sa déclaration ça et madame Laline de Fer sont déclarations qui étaient extrêmement importantes. Importante et par rapport à sa portée, parce qu'il y a une pile criminalité, il y a des gangs qui fédèrent les têtes, et puis en gros chef, tant que Mme Laline avait dit, ça contribue à faire baisser la criminalité, mais dans la vie et dans la carrière même de M. Barbecue, c'est-à-dire de M. Jimmy Cherizier, c'était un bel accomplissement. C'est pas n'importe qui est-ce qui salue travail et M. Jimmy Cherizier. C'est la chef du bureau intégré des Nations Unies pour Haïti. Et on a été joué, l'autre travail dans la vie vraie, l'autre fait des séries de bagages. Imaginez aujourd'hui, Maître Lexidor, ou son journaliste dans Matin Débat, et puis CNN ou bien n'importe quel autre grand média à l'étranger, venir saluer le travail. Ouais. C'est l'accomplissement de la carrière. Ça s'est arrivé en 2020. Monsieur Jimmy Cherizier, Monsieur Barbecue, évidemment, et n'a qu'un travail que l'a fait, parce qu'il n'est pas de policier encore, mais n'a qu'un travail peut-être qu'il déconne fait. Bon, il était dans la police nationale d'Haïti, ou pas de jambes. Il n'y a pas de jambes. Maintenant, il vient de l'autre activité parallèle là. C'est Léa, il joue une félicitation. Et on parlait de Genève, en famille alliée qui gagne un mérite, je dirais, international. Bien sûr, international. Donc, le mérite de Genève en famille alliée a été reconnu internationalement. Et sans que Binu, Mme Laline, pas jamais salué une quelconque initiative de la police nationale d'Haïti. Bon, le directeur général de la PNH,
et d'alors s'en foutait quand même, il n'est pas très. Mm-hmm. Et c'est peut-être M. Barbecue qui s'est mérité. Bon, il y a un balin, 1.7 tout. En tout cas, je veux dire, faut que nous m'en disions, nous coûter M. Barbecue y est. Mm-hmm. Où est passé M. Barbecue? Et vous insistez sur la question, où est passé Barbecue? Oui, où est passé M. Barbecue? Parce que c'est extrêmement important pour nous demander ça. Qui qu'il fait? Côté lié, je vais vous dire, est-ce qu'au moins, nous recevons un petit appel de Mme Laline pour lui dire, ah, mon cher, je souhaite rétablir assez vite, parce que là, on monde comme ça, en personnalité, en grande personnalité comme ça, hein, qui contribuait à lutter contre la criminalité à travers la fédération de plusieurs gangs armés, et que Mme Laline te reconnaisse. Ça, je pense que Mme Laline est sûrement bail un petit appel à M. Barbecue pour demander comment elle-même est m'espérer qu'on rétablit assez vite pour prendre du service parce que ça va mal dans le pays. Alors, c'est cette l'ironie, M. d'Haïti ou. Non, c'est pas de l'ironie, non. Donc, bon, Mme Laline, c'est clair, il était dit que les fédérations gangstales permettent que vous faites baisser la criminalité en Haïti. Mais je vous dis, Mme Laline reconnaît œuvre. Et M. Barbecue, bon, il faut qu'il arrête les livres. Moi, j'ai des soupçons qu'il passait ça. Hein, qu'il passait ça, il faut qu'il arrête les peut-être, pour souhaiter le bon rétablissement. Parce que Mme Laline n'a pas dû montrer l'ingrat envers un monde que j'étais considéré comme le soldat de la paix et qui est victime d'un pied de travail. Et où estimez que M. Barbecue, Jean Dillala, t'as dû gagner, t'as dû ressentir des regrets? Et au dernier mot. Oui, parce que on connaît le slogan G9 en famille alias, c'est Maïoun, tout. Mais il y a Maïoun, mais tout, TDO, tout fait silence. Jimmy Cherizier, M. Barbecue, par exemple, lui touché d'une balle. Mais est-ce que Mme Laline sent-il touché? Parce que le monde qui sourit pour vous, c'est pour lui, pour changer de chemise. Le monde comme ça, s'il touche quand même, main, tout. Si on mange M. Barbecue, parce que même si on pas mange Mme Laline, mais il faut Mme Laline sentir le mange M. Barbecue. Donc je vous dis, je vais vous dire, avec ce que ça mange tout, et que Mme Laline et qui reste muette par rapport aux douleurs, par rapport aux souffrances de M. Barbecue, est-ce que M. Barbecue a ressenti des regrets, des remords? Est-ce qu'il n'est pas déçu, je veux dire? Donc, question, dernière question pour nous finir, Robinson d'Haïti. Et nous t'adoué et senti que la paix a été menacée ou bien c'est ta pays hein, qui t'a subi plus tracas toujours avec Genève qui est denté, du moins avec formation tout, d'autres coalitions ça y est. Bon, moi-même, je ne sais pas. Qui va vous camper? Qui va payer un droit de situer là? Moi-même, et l'exilor, je ne sais pas si la paix menacée avec un monde qui était dans la tête en fédération de gangs. Moi-même, je ne sais pas. Mais cependant, le monde ça, qui était dans la tête en fédération de gangs, et il se trouve que mon grande personnalité, qui est Mme Laline, hein, qui était dans la tête des nuits, qui était dit, applaudit l'initiative ça, et que l'initiative ça permet que la paix et la criminalité a baissé. Si la criminalité a baissé, c'est le retour quand même à la paix quand même. C'est ça, la paix va retourner. Mais je n'ai jamais dit, mon sale victime et fédération, je n'ai jamais dit, l'affaiblit. Mais est-ce qu'elle est toujours, est-ce que nous, alors, en ce que tu dis, et le fait, est-ce que la paix est vraie? Avec Fédération. Nous pas jamais gain chance, nous pas jamais gain temps tout et nous pas jamais gain volonté pour nous être nous. C'est moi qui toujours après nous. Ouais. C'est moi qui toujours après nous, c'est tout être ça nous toujours compter sur international. International dit la paix. Il dit que la guerre, oui, il dit oui, poser. Et international toujours compter ça nous besoin, qui ça pour nous faire etc. Madame la ligne dit qu'on a la paix tournée avec Fédération, on accepte ça point barre. Pas gain chance pour travailler sur tête nous faire. En tout cas, merci Robinson d'Haïti et n'a pas rappelé ou joignable au 31 55 43 25 tout le monde qui t'a voulu lui-même continuer discussion avant ou disponible. Merci infiniment M. Lexidor, à tantôt matin débat. Voilà, et c'était Robinson d'Haïti, notre éditorialiste qui lui-même chaque matin a gratifié nous de très beaux textes.
et qui a un rapport avec l'actualité et ça qu'a fait est très important pour capable suivre Matin Débat, suivre éditorial Matin Débat pour capable vraiment gagner une idée de ce qu'a fait dans le pays, comment et pays lui-même l'a marché, comment dirigeant nous yo, hein, monde qui dit yo c'est dirigeant nous yo, comment yo a mené un bac pays bien matin. Bon, nous c'est quand nous venons habitués, il va de tellement là. Et donc, ou bien Jacques Mel et Josué ensemble avec vous. Ah oui, Jacques Mel là. Faut que tant qu'on s'est habitué avec. Et ouais, parce que hier, le ministre de la Justice lit échappé belle de Yon Baye là hier. Et il va nous comment nous y Bonjour Josué, bonjour Pierre Martin à toutes, bonjour Louko Désir, bonjour à tous auditeurs auditrices. Émission. Et fleuve ça qui s'est mis sur Matin Débat. Nous saluons tous les amis auditeurs Radio Peuple qui a côté sur le département sud-est. Donc, nous, Jacques Mel, en pile information, surtout avec hier et premier géant. Et Jacques Mel qui était vraiment en ébullition par rapport avec présence ministre Justice, M. Rockefeller Vincent, qui était rentré Jacques Mel, objectif là. Donc, objectif première invitation, c'était une façon pour porter un coup d'œil sur les problèmes fonciers, puisque Jacques Mel et député Tatout et tout le monde qui a suivi, il y a un problème foncier qui est extrêmement grave. Problème foncier est extrêmement grave. Donc, objectif, donc, si nous quoi, et invitation que. Et ministre justice en l'été fait, c'était pour et garder avec ensemble de personnalités qui dans la chaîne judiciaire là, pour garder question foncière. Mais, et Mounio tout qui était très viatif, il n'y a pas de voulait pour que, et d'une pierre deux coups, et question référendum là, pour que tout sous table là. Donc, rendez-vous à c'était pour 2 heures. Et dans mairie Jacques Mel là nous même nous étions présents depuis 2 heures en pile notable et t'es gagné la police qui était là pour faire ces questions de sécurité, t'es gagné vraiment en pile monde, mais tout est gagné en pile militants qui étaient déjà mobilisés, puisque information depuis dans Bonneux il t'a circulé côté que militants ont mobilisé pour contrecarrer toute rencontre qui était capable gagner. Et pourquoi pas une éventuelle et intervention sous question et référendum. Donc nous-mêmes nous étions là et tout le monde était commencé à mobiliser. Il a mobilisé pour dire ah bah référendum 2 heures 3 heures le a vint avancer. Donc nous-mêmes journalistes et t'es compris que le ministre li et n'ayon hôtel qui au bas de la ville. Donc, nous descendons aller dans l'hôtel. Le rivé, c'est un moment que nous à peine sorti et nous avons vraiment mobilisé pour être capable d'entrer dans l'hôtel. Donc, nous étions très agressifs. Lorsque nous avons sorti avec un pile l'adresse, nous avons maîtrisé nous pour ne pas rentrer dans l'hôtel et créer plus de désordre dans l'hôtel. Et c'est là nous avons un confrère photographe lui-même un manifestant a même tenté craser caméra dans le moment que lui-même il a fait photo. Ah bon? Et qui, donc manifestant même lorsque le journaliste a travaillé pour et n'est capable de dire pas information mais bien là d'ailleurs qui était très agressif. Maintenant manifestant yo était retourné, yo était pour yo était suivre et machine ensemble machine qui était gagné cortège ministre justice dans la dernière et bien je t'ai commencé et vraiment mobilisé il y a beaucoup de roches qui t'ai commencé tirer et puis c'est à partir de là t'ai commencé gagner en pile cartouche qui t'ai commencé tirer en pile cartouche t'ai commencé tirer maintenant nous mêmes journalistes on devine continuer monter nous retourner dans mairie côté de Naptan pour que rencontre ça lui-même lui fait. Mais et on monde qui connaît Jacques Mel lorsqu'il au bas de la ville ou passer dans zone bon parquet à un certain moment il t'a fait connaître que oui c'est dans parquet à côté que il tout était. OK. Et certainement nous-mêmes n'a suivi
parce que espace nous connaît qui était réservé pour rencontre la défaite, c'était dans mairie Jacques Mel là qui sous qui exactement et bon place tout Saint l'ouverture là, tout journaliste, tout militant, tout le monde était mobilisé là attendre. C'est lorsque machine yo vient arriver mais dans périmètre pour rentrer dans mairie militant, militants vraiment mobilisé pour barrer espace ça. Ça qui vient passer lorsque et Machinio a fait tentative pour avancer pour entrer, c'est dans moment gain roche qui tiré sorti dans et côté et foule et militants oyé a manifesté. À partir de là, c'est cartouche qui a tiré. Donc nous-mêmes on était situé à quelques mètres de côté et cartouche a tiré parce que moi t'a filmé et ça t'a passé là. C'est dans le moment où je dérapé pour avancer plus près et puis Roche la vient tirer cartouche commencer Marie. Moi j'ai couché à terre rapide pour capable retransmettre l'événement. Donc après toute cartouche ça a fini tirer mais pendant ce temps que toute mobilisation ça a fait en attendant ministre dans hôtel là en pile zone dans ville là entre ville là surtout t'es qui mobilisé caoutchouc taboulé, t'es qui t'as barré toute entrée ville là. Barricade à droite à gauche. À droite à gauche. Donc c'est une ville qui était vraiment en ébullition par rapport avec présence parce que mon dit y a pas nan question référendum et y a pas prendre la main nan quel cause référendum ça. Maintenant après cartouche fin tiré, donc et machine lui même y a dérapé aller. En pile monte pensé c'est dans commissariat à côté que rencontre l'alfait. Pourtant c'est occasion ça. Ministre et tout profiter yo passer dans une route qui est pour aller et zone la montagne yo tout chapé pour yo getan déplacé aller donc rencontre là pas fait bon nous va rétablir contact pas quand tout fini là chef là bah connait non bah type ça m'en bien si c'est dit c'est lié quand la parade de film bah connait tu bah tout ça m'en bien là c'est là on va retourner sur là encore et va me garder moi et 34 eh ben et nous connaissons pas la seconde allié n'habitue avec les gens et 4 cas fini bon ici et non monsieur c'est pas et c'est bon problème Yvan Dri et bon Jean le fait bon Jean Yvan Dri qu'on fait vous 4 monde pas fini ici hein et alors et nous gagne Yvan Dri avec nous. Il va devoir continuer pour nous et où t'as parlé nous dans le moment que le ministre est arrivé et quitté Ville Jacques Mel. Allô? Bonjour, il va devoir. Refais-le encore rapide. Est-ce qu'il me prend bon numéro? Refais-le encore. Alors, mesdames, messieurs, nous avons il va devoir depuis Jacques Mel. Il va devoir qui c'est. Claude Clonier, Damas. Qui c'est journaliste Radio Pep. Et, ouais. Dans le sud-est, Jacques Mel. Groupe Excellence qui t'a dit à gérer ça. Bon. Et. Madame, et. Alors, n'a pas checké Yvan Dwin. Yvan et. Pour continuer la transmission. Et. Il était dans le moment que le ministre lui-même était quitté. J'ai l'impression que monsieur a baissé les jeunes. Et Yvan Dwin, on pas besoin de relayer après Léo. Et. Pour être capable de mettre fin avec. Juste après le soupal là. Pata toute la bloquée. Pas dans toute la dis à l'gain les bagages minutes nous avons rendez-vous à Saint-Marc nous pourrons arriver à Saint-Marc tout à l'heure il va devoir ou mettre posé m'après Léo c'est monsieur Bessé Léo c'est monsieur Bessé Léo donc non s'il t'a brûlé pour la tapsonner et alors m'a rappelé tout le monde n'attendait donc tout ça qui t'est passé Jacques Mel il va devoir tracer pour nous ça qui t'est passé Jacques Mel hier et donc et ça qui est passé entre ministre et justice là avec population. Alors, Yvan-Dwin, ou toujours avec nous là, ou t'as fait en description là, ou t'as fait. C'est pas de religieux, c'est mon religieux. Oh, senti là. Bon. C'est ma couille. Bon. Oui, ça c'est ma couille. Mais n'a pas monté les Saint-Marc, nous parlons de Yvan-Dwin. C'est ma couille, écoutez tout. D'accord. Écoutez tout par la Saint-Marc. Et là on finit avec Yvan Dwin d'abord et ensuite vous êtes capable d'aller avec Saint-Marc okay.
pour ne pas pour nous finir avec donc alors Josué, c'est pas Ivan Doïti, j'aime après les noms, sont l'autre numéro parce que nous gagnons Saint-Marc. Nous allons regarder des questions référendum dans comment mon Saint-Marc est lui-même. Mais là c'est Jacques Mel nous toujours. Eh ben après tout n'est Jacques Mel justement parce que il va d'un pot de coup fini. C'est entre ministre justice qui était dans ville Saint-Marc avec dans ville Jacques Mel. Alors il va de comment nous alors on va continuer pour nous et qu'on doit arriver dans